Bonjour à vous tous. Alors voilà, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de ce qui se fait dans l'Église catholique, notamment de la confession des péchés à un homme d'Église en pensant que cet homme d'Église va nous donner la miséricorde de nos péchés. Alors voyons voir ce que la parole nous dit. Nous avons les Écritures pour être enseignés, pour savoir de quelle manière on doit se comporter, comment faire notre foi, et pour savoir lorsqu'on nous tend des pièges, pour savoir si ce qu'on fait est selon la volonté de Dieu ou contre la volonté de Dieu. Alors il est très simple, on va prendre quelques versets. C'est un enseignement qui va être rapide, mais je pense qu'il va porter du fruit, car les versets sont très clairs. On va commencer par l'Ancien Testament. J'ai sélectionné pour vous Jérémie 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Moi, je ne veux pas vous faire peur, mais quand je vois ce verset, il est dit très clairement, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Dieu est en train de nous dire que l'homme qui se confie dans l'homme soit maudit. Donc, moi je repense à l'époque où j'étais catholique, lorsque je confessais mes péchés, je vois maintenant ce verset, ça me fait vraiment réfléchir. J'ai sélectionné pour vous Psaume 118 au verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. C'est un verset qui n'a pas besoin d'être expliqué, il est très clair. Ésaïe 2 au verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Voilà, Dieu nous appelle à cesser de nous confier en l'homme. Il ne veut pas qu'on se confie en l'homme, il veut qu'on se confie en lui, en lui-même, en lui seul. Il est notre Père. Un enfant se confie à ses parents. Pour nous, on a un Père. Si on est ses fils, on doit se confier à lui. On n'a pas besoin d'autres personnes en qui se confier. J'ai sélectionné 1 Jean 1 au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce verset nous dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc quand on demande pardon au Seigneur, on a l'assurance d'être pardonné. C'est très clair. 1 Jean 2 au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, non pas un homme d'église, non pas un prêtre, non pas un pasteur, personne d'autre. On n'a que Jésus-Christ. Il est notre seul avocat. Il est notre seul qui plaide notre cause devant Dieu. Il est le seul à pouvoir nous pardonner nos péchés. C'est à lui qu'on confesse, lui seul. Je vais prendre 1 Timothée 2 au verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La parole est très claire. Entre vous et Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur. Ce n'est pas un prêtre. Ce n'est pas les saints, ce n'est pas des anges, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Mohamed, ce n'est personne. Le seul médiateur, unique médiateur, c'est Jésus-Christ. Donc si vous confessez à des hommes, ça ne sert absolument à rien. Au contraire, vous êtes maudit. Jean 14 au verset 6, Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est dingue, hein?
Nul ne vient au Père que par moi. Lorsque vous confessez vos péchés à un homme d'église en pensant que cet homme-là est au téléphone avec Dieu et qu'il n'y a que lui qui a le numéro de Dieu et qu'il n'y a que lui qui peut demander est-ce que tu le pardonnes ou tu le pardonnes pas, c'est archi faux, c'est une abomination devant Dieu. On doit se repentir de ces œuvres-là. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu nous demande de venir auprès de lui, de nous humilier devant sa face. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il entend tout, il voit tout. Il connaît notre cœur. Lorsqu'on regrette un péché et qu'on demande pardon, il sonde le cœur et les reins. Il sait déjà si on est sincère. Si tu es sincère avec lui, mon frère ou ma sœur, il te pardonne. Tu as l'assurance du pardon en Jésus-Christ. Ensuite, j'ai sélectionné 1 Jean 5 au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Jean est en train de nous dire qu'on a auprès de lui l'assurance que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce la volonté de Dieu qu'on se repente? Je vous laisse lire la Bible et vous verrez que Dieu nous appelle à la repentance. De Genèse à Apocalypse, il nous appelle à la repentance toujours. C'est la volonté de Dieu qu'on se repente. Donc, si tu te repens, mon frère ou ma sœur, que tu t'humilies devant l'Éternel, tu lui demandes pardon, tu as l'assurance qu'il t'écoute. D'accord? Je prends Jean 14 au verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai deux fois. Il confirme. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Seigneur, je te demande pardon. Tu es pardonné, mon enfant. La parole est très claire. Si vous demandez pardon, vous êtes pardonné. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre. Ce prêtre n'est même pas converti. C'est des religieux. C'est des pharisiens. Ils suivent leur tradition. Ils ne suivent pas la parole de Dieu et suivent leur tradition, leurs coutumes. Ne vous faites pas berner par ces gens. Suivez la parole. Quand vous achetez une machine à laver, que vous ne savez pas comment elle fonctionne, vous avez une notice pour l'utiliser de la meilleure des façons. Si vous ne savez pas comment faire votre foi, vous avez la Bible pour faire votre foi parfaitement. Je vais sélectionner Hébreux 4 au verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. L'apôtre est en train de nous dire, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Et pourquoi faire? Afin d'obtenir miséricorde, frères et sœurs. C'est quand même dingue. Approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu. Et pourquoi? Pour obtenir le pardon. Donc n'allez pas perdre votre temps vers des prêtres, vers des gens qui sont idolâtres, vers des gens qui ne connaissent pas Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est le plus grand des commandements. Cherche-le. Demande-lui pardon au nom de Jésus. Tu seras pardonné. Je vais prendre Hébreux 7 au verset 22 à 25. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui,
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Déjà dans ce passage, il est dit que parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc lorsqu'on vous dit qu'il a passé le relais à Pierre et que c'est le premier pape et ensuite ils se sont passés le relais entre eux, bah non, c'est anti-biblique. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Pourquoi? Parce que lui, il demeure éternellement. Mais oui, Jésus est mort et ressuscité. Il vit éternellement. Il ne va pas passer son sacerdoce. D'accord? Dieu dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 42 et Ésaïe 48, il nous dit: je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il ne passera pas son sacerdoce à quelqu'un d'autre. C'est anti-biblique. C'était une parenthèse. Maintenant, quand on continue, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Là, l'apôtre est en train de vous dire que il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc, quand vous vous repentez, cherchez Dieu de tout votre cœur. Priez-le au nom de Jésus. Priez le Père. Demandez-lui pardon. Soyez sincère. Parce que Dieu prend plaisir à pardonner. C'est tout. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on reconnaisse nos fautes, qu'on reconnaisse nos péchés et qu'on se mette à genoux. Mon frère, ma sœur, si tu as fait des péchés, c'est normal. Tout homme fait des péchés. Le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. Mais va dans ta chambre, mets-toi à genoux. Mets ta face contre terre. Mets-toi en larmes. Regrette ce que tu as fait. Demande pardon au Seigneur. Il te pardonnera. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps à confesser tes péchés envers un prêtre. Et le lendemain, tu recommences les mêmes péchés. Non. Tu dois donner des œuvres dignes de repentance. Tu dois montrer au Seigneur: je m'en veux. Je regrette. J'ai mal fait. Maintenant, je vais arrêter. Je me détourne de mon péché parce que je t'aime plus que mon péché. Ensuite, je vais prendre Marc 2 au verset 5 et 7. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus pardonne les péchés. Il a dit au paralytique: tes péchés sont pardonnés. Il l'a fait aussi pour la femme adultère. D'accord? Donc, Jésus pardonne les péchés. Tu n'as pas besoin d'un prêtre ou d'un pasteur pour obtenir le pardon de Dieu. D'accord? Même les pharisiens et les scribes avaient compris. Ils ont dit: mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Seul Dieu pardonne les péchés. Ton prêtre n'est pas Dieu. Il se fait appeler père, il veut prendre la place de Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est de l'orgueil, c'est de la religion. C'est que du vent. Ça ne vaut rien. À part une malédiction certaine, dans Jérémie 17. Ensuite, je vais conclure avec Jacques 5 au verset 15 à 16. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alors bien sûr, les enseignants catholiques vont vous dire: confessez donc vos péchés les uns aux autres, et c'est pour cela que vous devez nous confesser, car en nous confessant, on peut vous pardonner. Mais c'est pas ce que la parole dit. Déjà, si on part dans leur objectif, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Est-ce que ce prêtre-là vous confesse à vous ses péchés? Non. Moi, j'ai jamais entendu un prêtre qui m'a dit: j'ai fait ci, j'ai fait ça, je regrette, pardonne, demande à Dieu qu'il me pardonne. Jamais. Donc, ça n'a ni queue ni tête. La parole dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est dans le but d'être guéri. Je vais vous expliquer. On va prendre deux personnes. Le premier est esclave d'un péché. On va prendre l'exemple de la masturbation. C'est un péché qui est très courant chez les hommes. Donc, le premier est esclave de la masturbation et son frère, qui est le deuxième, va prier pour lui. Donc, le premier confesse au deuxième
son péché duquel il est esclave. Le deuxième va prier avec lui afin qu'il soit guéri de ce péché, afin qu'il soit débarrassé de ce péché. Mais en aucun cas ce frère va prier pour qu'il soit pardonné. Non, le pardon, c'est Dieu seul qui pardonne. Et le verset finit en disant, la prière fervente du juste a une grande efficace. Donc voilà, ce verset-là n'est pas fait pour justifier de confesser ses péchés à un prêtre dans le but qu'il nous les pardonne. Ce verset est très clair. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est dans le but d'être guéri. Tu confesses ton péché, ton frère prie pour toi pour te délivrer de ce péché, pour te guérir de ce péché. C'est tout. Et une fois que tu es guéri, tu es droit devant Dieu. Mais ce frère n'a pas le pouvoir de te pardonner ce péché. Quand ils prennent le verset, je sais plus de tête lequel c'est, lorsqu'ils disent ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça, c'est dans le fait où des gens vous ont outragé, vous personnellement. C'est-à-dire, si moi, on m'a insulté, je peux dire, Seigneur, je lui remets sa dette. Je lui remets son péché. C'est tout. Mais par contre, un frère à moi ne peut pas remettre ce péché à ma place. C'est dans le but personnel. Voilà. Écoutez, mes frères et sœurs, je vous ai fait cet enseignement. J'espère que ça vous servira pour votre foi, pour que vous puissiez, si vous faites ces pratiques-là, vous repentir, que vous sachiez comment demander pardon. Et je vous assure que lorsque vous vous mettez à genoux et que vous demandez pardon sincèrement au nom de Yeshua, Dieu pardonne. Vous sentez la paix de Dieu. Vous sentez sa présence, sa consolation. Vos larmes vont couler toutes seules. Vous ne comprendrez pas ce qui va se passer. Vous sentirez la paix. Vous aurez un poids en moins. Dieu va vous prendre vos fardeaux sur ses épaules. Voilà. Écoutez, mes frères et sœurs, je vous souhaite vraiment d'être dans l'amour du Seigneur. Je prie vraiment que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Yeshua, Amashia, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.